Alors, ici, on pêche pratiquement exclusivement au filet dérivant. Donc là, on pêche en ce moment, on pêche des alouses et des lamproies. Alors, on pêche au moment de la marée, sur l'étal de basse mer, l'étal de pleine mer. Parce que là, on pêche des poissons migrateurs qui remontent au printemps pour frayer. Donc c'est le moment où ils arrivent, là, ils arrivent de l'eau à réchauffer un petit peu dans la rivière. Donc le poisson il est en train d'arriver de la mer et il commence à remonter la Loire. On va à la pêche que quand il y a des poissons, parce que quand il n'y a pas de poissons, on n'y va pas. Mais ça peut aller de 0 s'il n'y en a pas, ou à une demi-tonne s'il y en a. La civelle a été classée, enfin c'est l'anguille qui est classée à la CITES. La disparition des civelles, alors théoriquement, si on écoutait les scientifiques, ne devrait plus y avoir de civelles. Cette année, on a battu tous les records depuis 10 ans. Ben, c'est ce qu'on dit, mais nous, il y en a de plus en plus, au contraire. Et la CITES, bon, c'est un organisme de l'ONU qui gère donc, tous les poissons qui sont menacés d'extinction. Mais c'est traité un petit peu comme les éléphants d'Afrique et puis les rhinocéros, quoi.